Aujourd'hui, c'est le départ pour la résidence avec l'ensemble Il Buranello. On va passer 5 jours pour enregistrer 3 madrigaux, dont 1 à 5 voix, 1 à 2 voix de soprane et 1 à 3 voix d'homme. Il fait pas très beau, j'espère qu'il fera un meilleur temps à Paris. On va préparer la valise et puis on va y aller. Un peu de lecture pour la route. C'est merveilleux. Je pense qu'au niveau, niveau place, là, c'est optimal. Sinon, il y en a un qui prend le TGV avec deux valises. Petite touffe. Oh, tu l'as trouvé où sur Amazon, ta petite touffe? Ma petite touffe. Quand la jeune l'a touché régulièrement. Aïe aïe aïe. Petit arrêt. Pour se reposer, c'est quand même à 5 heures de route. Faut que je fasse tout aussi, hein? Un café, thé, l'eau ou de vin? Qu'est-ce que vous voulez? On va avoir du thé, hein, les chanteurs. On va commencer tout de suite à être sage. Pas d'alcool. Non, on boit tous du vin. On boit tous du vin maintenant et ensuite on se met au thé, c'est ça? Le rouge. Après 5 heures de trajet, on est bien arrivé au château de Saint-Loup, à Saint-Germain-Chassenay, où on a été accueillis royalement par les propriétaires du château. On a mangé, on s'est reposé un petit peu, on va maintenant répéter, voir un peu les morceaux avec le joueur de théorbe qui est arrivé aussi pendant ce temps-là. On s'est installé dans les chambres et on va finalement faire un petit peu connaissance et retisser les liens, parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu avec l'ensemble, et on va répéter quelques morceaux, dont les deux qu'on va enregistrer évidemment, et aussi quelques autres morceaux qu'on donnera pour un petit concert avec des amis des propriétaires du château en fin de séjour évidemment. De répéter, on y va. Quelle idée de se faire opérer des yeux, quoi. J'arrive plus à lire ma partition, je dois tout faire par cœur. Thank you.
Je vais faire un peu de temps.